Toulouse, dont la situation est plus que critique, est l'adversaire des Girondins lors de cette 28e journée. Pour Elibop, la crainte était de se laisser enfermer et de connaître la même mésaventure que Marseille. Mais avec un duo comme celui que compose Wiltord et Lasland, les angoisses sont généralement vite évacuées. 1-0 après 25 minutes de jeu. 15e but de la saison pour Lasland, qui profite de cette erreur de Richert et de la vivacité de Wiltord pour être à la conclusion de cette action. Toujours cette volonté d'Elibop de ne pas perdre la maîtrise du jeu, mais pas de soucis dans ce match. Ivan réussit le break à 10 minutes de la fin, 2-0 et premier but dans le championnat de France pour l'Espagnol. Joie intense, Bordeaux maîtrise parfaitement cette deuxième manche du derby du Sud-Ouest. Une raison à cela, tout le monde respecte les consignes, tout le monde joue simple et c'est payant. Dans les arrêts de jeu, les Girondins auront même l'occasion de parfaire leur différence de but. Benarbia a lancé Lasland, sortie hasardeuse de Richert. Johan Mikou, en pleine confiance, tente sa chance de 35 mètres. À l'issue du match, Mikou dédiera ce but à sa fille, dont c'était le troisième anniversaire. 3-0, Bordeaux a parfaitement franchi l'obstacle toulousain et conserve sa place de leader.